Coucou tout le monde. Alors, je viens vous faire cette vidéo pour vous montrer mes petites créations scrap du moment. Alors, il va avoir donc des boîtes, des épingles à altérer qu'on peut inclure dans le scrap et des embellissements faits maison. Donc, je vais commencer par les boîtes. Comme ça, moi, ça sera déjà fait. Donc, il y a cette boîte-ci que j'ai réalisée. J'avais vu le tuto de base pour faire un rangement 3 tiroirs. Après, on peut en rajouter plus de la part de Marine. Donc, c'est Marine de l'atelier de Marine qui avait fait le tuto. Du coup, j'ai fait un gabarit, un tuto main, quoi. Une feuille où j'ai répertorié toutes les mesures qu'il fallait. Donc, du coup, ça fait ceci. Ça donne ceci. Voilà, donc j'en ai fait deux pour moi. Donc il y a celle que je viens de vous montrer et celle-ci fait galaxie avec des flèches, tout ça. Et je dis voilà, il y a quand même assez d'espace pour ranger des petites choses dedans. Voilà. Ensuite, j'ai fait deux embellissements épingles altérés sur le thème de la mer. Alors là, j'ai pris pour mettre sur l'épingle, j'ai pris du tissu autocollant de chez Action, où de base il y avait des petites tortues par-dessus. Je suis venue mettre une breloque au coquillage que j'avais acheté également à Action et un embellissement en plâtre ou en résine, je sais pas du tout, qui vient également de chez Action, mais qu'on m'avait envoyé dans un échange. Ou dans mon défi sur le thème de la mer que j'avais fait sur Instagram, je sais plus, c'est possible que ce soit là-dessus. Ensuite, toujours sur le thème de la mer, j'ai fait cette petite épingle avec un ruban qu'on m'avait envoyé lors de mon défi sur le thème de la mer que j'avais réalisé sur Instagram. L'étoile de mer, c'est une perle que j'avais eue à Action dans une boîte de perles et de breloques. Et ceci que j'avais eu dans un échange pareil. Échange ou défi, je sais plus. Sur mon Instagram. Voilà, c'est un petit crabe. Voilà. Donc déjà pour ceci. Ensuite, j'ai réalisé pas mal d'embellissements comme ceci. En fait, je me suis inspirée de ces embellissements là, en fait, de ces tags-ci. Sauf que moi, je n'ai pas mis la ficelle. Voilà, après, la personne qui les recevra les mettra si elle veut. Donc, j'ai fait enjoy avec un appareil photo. Alors, je n'ai pas colorisé l'appareil photo, c'est voulu. J'ai pas voulu le coloriser, justement. Voilà. J'ai fait avec un petit pingouin où j'ai écrit moi-même à la main Enjoy. Voilà. J'ai fait. Voilà, il y a deux, trois tailles. Hein. Il y a deux tailles de différentes de tags. Deux bases de tags différentes. Voilà. Donc, ça, c'est avec des stickers que j'avais acheté à Action. Vous doutez bien. Là, c'est pareil. Voilà. Donc, avec un lama. Ensuite, avec un sticker mousse qu'on m'avait envoyé dans un échange. Donc avec ce qu'on m'avait envoyé en échange en dehors du tampon. Le tampon, c'est à moi. Je l'avais acheté moi à Action. J'ai fait celui-ci avec un petit hibou et trois petits cœurs. J'ai fait sur le thème de la mer. Et après, le reste, c'est des tags ronds, comme ceci.
Donc là, c'est avec un petit zozio. C'est un sticker qu'on m'a envoyé. Ensuite, ici, pareil, un sticker oiseau qu'on m'a envoyé et un petit cœur que j'avais acheté à Action. Et là, un peu plus fleuri avec une fleur et du feuillage. Voilà. Donc voilà ce que j'ai réalisé pour l'instant sur mes créations scrap du moment. J'ai une carte en cours, je ne vais pas vous la montrer de suite, j'attendrai de pouvoir être tranquille à la maison, d'avoir personne chez moi pour pouvoir finir ma carte. Donc du coup voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bye bye.